Il n'a pas fait de limite parce que s'il dépasse ça, moi il va continuer à faire. Si ça se passe en tasson, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je suis pas d'accord de ça. Tu vois un vieux pourri, hein? C'est que quelque chose le poussi ou bien lui-même il poussi quelque chose. Oui, bonjour, bonjour. Hey, Yablé. Ah, bonjour. Yablé, ah. On dit quoi? On dit quoi? C'est toi, je suis venu vivre comme ça, Kwadjo. Ah. Yablé, ah. Y'a quoi? Non, 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 non. Où l'affaire là, c'est arrivé là, wallahi, wallahi. Il n'a pas fait de limite, parce que s'il dépasse ça, moi, Yablé, il va continuer à faire là. Ah non, non, trop sur toi. Quelle est l'affaire? Non, non. Tu vois le papa de Yablé, tu le vois bien. Olona, il est venu dans moi pour me donner une yam. Bon, j'étais pas là. Il a donné ça dans mon femme. Donc, je suis venu, mon femme, il a fait le commission. Normalement, pour prévenir qu'il est normal, qu'est-ce qu'ils font? Je me suis levé pour pas te le dire merci. Je te marre. J'arrive sur lui, il est assis en train de buire son thé comme de l'habitude. Il dit, ah, vraiment, pour les gestes que tu fais de moi derrière là. Vraiment, merci, papa de Nabou. Oh, papa. Il me fait le vie ignorer. Quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Moi-même, je me suis entouré, je dis, hey. Et puis, il joue dessus encore, c'est ça même qui me fait mal. Il me regarde dans les yeux. Il dit, Yabre, il dit, Nabou. Il dit, toi et puis de moi, nous, n'habitons là. Hip. Attends, ça n'est pas inconnu. Où est-ce que tu s'en vas chez lui là? Tu n'as pas de lui trouver avec son femme en train de faire le parade? Oh, je suis pas de lui trouver ça. Il était en train de boire le thé, je voyais. Comment? Attends. Ou bien son petit Nabou là, est-ce qu'il n'est pas chauffé son ken? Ne m'en donne, je sais pas. Ton merci que tu viens de dire là, est-ce que merci, oh le enfin, il y a deux merci. Est-ce que tu as dit le merci comme il se doit? Non, non, non. Parce que tu peux lui dire un merci chaud, sec. Ça, c'est pas le merci. Si tu as dit le merci avec le sourire dans le neuf, il y a Léon. Comme tu peux aussi lui napider avec le sourire. Parce qu'il y a. Non, non, il y a un canon. Un vieux là, il coupe un cadeau comme ça. Si tu vois un vieux pourri, c'est que quelque chose le poussit ou bien lui-même il poussit quelque chose. Ouais, Joe, je ne suis pas dans son publicité là. Je lui ai fait un merci douceur. Bon, de ce qu'elle nous met, elle a fait ce gâteau pas devant un sage. Donc moi-même, au pire, toi, on va voir ce papa Diabou là-bas. Voilà. Au coup, je vais aller lui demander que se passe-t-elle. Je te mens. C'est bon? Non, c'est bon. Point. Voilà. Blava baissé. Viens, tu vas prendre le voilà. Le je dois venir trouver que tu as fini de nettoyer le salon. C'est vrai, maman, tu vas me trouver ça. Non, tu vas régler ça. Allons, allons. Non, non, allons. Parce que où j'ai arrivé, moi, c'est moi. C'est Yablé qui m'a trouvé pour m'aider. Expliquer que. Oh, Bonisa, toi, tu dis que son amitié avec toi, c'est fini. C'est ça, j'ai venu pour comprendre le pourquoi de comment. Kwadjo, c'est à cause de ta respect que Yablé t'a soigné. Sinon, c'est pas son t'a soigné, est-ce qu'il y a de beaucoup? Je suis pas d'accord de ça. Tout c'est trop là, tout c'est trop. Mais pourquoi? Yablé que tu vois là, c'est quel nom? C'est quel nom? Tous les jours il dit merci, tous les jours merci, tous les jours merci. Tous les jours Yablé passe son temps à dire merci. Mais pourquoi? Non mais pourquoi? Tous les jours tu dis merci aux gens. Il dit merci dans toutes les manières de dire merci. Non, il dit merci n'importe comment, n'importe où. Tous les jours il dit merci. Et puis il y a beaucoup de manières de dire merci, beaucoup de manières de dire merci. Tu vas dire merci, tu vas dire ah merci, tu vas dire ah merci. Toutes ces manières de merci, t'as jamais pourquoi. Tous les jours, et puis souvent il dit merci beaucoup. Tous les jours, tout c'est toi là. Pardon. Non, tu comprends pas, je comprends pas. Olona, j'ai fait mon sacrifice de mouton ici. Je suis parti lui donner le viande à Yablé. Yablé est venu se t'asseoir dans les mêmes tassoirs, où ça qu'il est t'asseoir là. On me dit, papa de Nabou, merci. Tu as compris de ça? Hier, mon chien de Ignam, quand ça sonne de bon Ignam, l'ignamtation de Ignam, la propre Ignam, j'ai appris ça à partir de donner à Yablé. Yablé est venu se t'asseoir dans ce tatouage là. Tu me dis merci. Toi-même, ton fils est quitté dans les grandes villes.
quand il a envoyé les cartes de la tête de Yabla. Oui. Yabla n'a pas de dit merci. Il a dit. Olona, ton chat de manioc où tu as fait le gros de manioc. Quand tu es donné à Yabla, il n'est pas venu de te dire merci. Oui. Alors. Mais attends, maman, je comprends pas. Où est le problème? Problème où? C'est le problème même qu'elle a. Alors. Yabla, il passe ses saluts sur de son bouche que le merci, il est doux. Mais si il est doux dans nous, sur nos bouches. Comment? Tu comprends déjà? Yabla, que tu vois là. C'est pas un bon nom. Ah! Non, je vois, tu dis ça. Non! Là, c'est ça. Non, il va se sortir. Il faut que je sorte. Mm-hmm. Tu comprends de ça? Yabla, Olona, il n'est pas dans son pays. Mm-hmm. Au Burkina. Mm-hmm. Mais quand même. Mm-hmm. Yabla n'est pas pensé de nous voyer un cadeau pour que nous aussi, en accueil, dis merci. Le dessus de Burkinabé, là, en façon d'Afani. Il sait que nous, on aime les tenues traditionnelles. Mm-hmm. Il peut prendre une tenue traditionnelle Burkinabé pour nous enfants. Il n'est pas fait. Mm-hmm. Yabla, que tu vois là, c'est une péché. Pas n'importe quel péché. C'est un péché traditionnel mais moderne. Ça me dit qu'il rentre dans l'eau, il cause avec des poissons, il joue avec nous beaucoup. Mais depuis on est dans ce village, est-ce que Yabla, il est de donner poisson? Même tête de poisson, est-ce qu'il est de donner ça? Même le moyen épinière de le poisson, on n'est jamais vu. Pourquoi il fait ça? Toujours lui, il n'a qu'à nous dire merci. Moi, pas lui dire merci. Il faut qu'il n'a qu'à faire quelque chose de plus pour qu'il n'a qu'à dire merci. C'est un mauvais tatouillage. Tu comprends ça? Tout ça, tu vois? En effet, tu as raison. C'est maintenant que je comprends ça. Non. C'est maintenant que je comprends. Voilà. Y'a mot, merci. Mm-hmm. Y'a pris. Au plus vite, t'as méchant. T'as méchant. Non, méchant même ça, petit. T'as mauvais. Ah, t'es mauvais. Y'a pris, là, olé. Toi, il est mangué dans son cou là-bas. Voilà. Tu es le mangué dans ton cou. Mais si tu as bouffé le manque de chérie, y'a pris. C'est que tu as payé avec son femme. Voilà. Y'a pris un coup de vie. T'es méchant. Ton méchant pas ensemble, vitement, c'est pas bon. C'est pas bon. Baisse ça, 11 femmes. Y'a femme à 11 belles. Le même gauche lave le droite, le droite, il lave le gauche. Mm. C'est comme ça, on vit. Mm-hmm. Mais toi, y'a pris même poisson que tu savais te poissonner dans l'eau là. Mm-hmm. Quand ça vient, ça pourrit. Tu viens nous vendre ça à 20 ans encore. Mm. Tu n'as jamais donné un morceau à quelqu'un. Mm-hmm. Ah, tu as rien, c'est tiens comment? Mm-hmm. Tiens comment? Non, trop c'est trop. Yamo, merci. Non, c'est grâce à toi, je comprends. Effectivement. Il faut qu'il y ait qu'à comprendre. Ton vilain comportement là. Il faut qu'il ne qu'à comprendre. Alors, même le mendiant. Le mendiant, il pense que c'est à lui seul en train de donner le sacrifice. Il pense qu'il ne sait pas que lui il doit faire sacrifice. Ah, sacrifice, c'est tout le monde qui fait ça. Moi qui fais le sacrifice. Bon, Yabré, si tu n'es pas arrêté ton méchant terri, c'est vrai que tu ramasses. Moi, je vais faire même chose comme Papa Dabou. Je vais couper mon amitié avec toi. Pardon. Quand tu passes plus dans mon cou, hein. Faut pas ton méchant terri là va contaminer mon famille. Je te dis ça, Nous cancrons. Mais si moi, c'est une fois, Babo, on n'envoie pas les idiots au massé. Voilà. Si tu vois les poissons qui volent là. Bon, c'est bon. Voilà. Mais faut changer. Oui, non. Si c'est changer là, il va me changer. Non. Eh hey, c'est ça la même. Eh hey, c'est ça la même. Yate et puis yate. Walaï, tebei et puis tebei. Buvez le meilleur thé, c'est le thé Lafia. Walaï, le meilleur thé Lafia, c'est le thé Jacinthe. Hein? Le meilleur thé Lafia, c'est le thé Jacinthe. C'est le thé Lafia au jasmine. Voilà, vraiment, c'est ça. C'est le thé Lafia Jacinthe. À quel thé? Alors, faites comme nous. Buvez le thé Jacinthe. Et là. Buvez le thé Lafia.